Avant de continuer la vidéo, pensez à liker la vidéo et à souscrire à la page PunchGS pour plus de vidéos avec d'autres armes. Bon visionnage. Donc, le démontage du Chris Vector, c'est une arme qui est assez simple à démonter. Première chose à faire, donc vous remarquez qu'il y a 4 goupilles ici, ici et ici. Voilà. Donc il suffit de pousser et d'enlever les deux premières goupilles. Et celle du bas qui est le plus proche de la crosse. Alors, une fois que vous l'avez enlevé, en fait tout se désolidarise. La partie haute reste là. Petite astuce avant d'oublier, vous remontez le marteau. Et d'ailleurs du coup vous remarquez que c'est un marteau qui fonctionne à l'envers. Il ne fonctionne pas comme la plupart des armes, qui fonctionne du haut vers le bas. Une fois que vous êtes sur cette partie là, vous avez la dernière goupille à enlever. Voilà. Qui d'ailleurs est la même que les trois autres, ça permet d'éviter de se tromper. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever tout le système. Donc avant de l'enlever complètement, je vais d'abord jouer un peu avec. Donc vous avez la culasse qui est ici. Et vous rendez compte en fait que quand vous poussez cette pièce-là, la partie lourde descend dans le mécanisme et la culasse, elle recule. Si on enlève le mécanisme complet, vous allez voir la culasse, hop, descend et remonte. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Mais voilà, mais en fait c'est le mécanisme qui se passe quand lors des tirs. Voilà. Vous enlevez cette partie-là. Ça se met tout simplement ici. Et voilà, le Chris Vector est démonté. Pour la petite histoire, en fait, cette arme existe en 45 et en 9 mm. La partie supérieure est exactement la même. C'est la partie que vous gardez pour tout. Et en fait, si vous souhaitez avoir la même arme avec du type de canon, par contre, il faut acheter cette partie-là complète en 45 ou en 9 mm. Le remontage est d'autant plus simple, donc il suffit de remonter en mettant la culasse dans le rail qui lui est attribué ici, et ensuite de faire coulisser cette partie-là dans le rail qui lui est attribué aussi. Donc il y a en fait deux rails, je ne sais pas si ça se voit bien, un rail ici et un rail ici. On remet le tout, on remet une goupille ici et le système est bloqué à nouveau. Je ne sais pas si on va pouvoir... Et on voit bien le mécanisme, comment il fonctionne. Bon, il est sale parce qu'il a beaucoup tiré. Hein. Voilà, il fonctionne très bien. Ensuite, l'intérêt de remonter le marteau, pensez bien à le faire tout à l'heure, si vous ne l'aviez pas remonté, vous ne pourrez pas remonter cette partie-là. On enclenche un petit peu. Et ensuite, tout se remet comme tout à l'heure. Vous reprenez les trois goupilles. Vous en remettez une ici. Une ici, celle-là ici, et l'arme fonctionne à nouveau. La culasse se bloque bien en arrière et se libère, et on peut tirer à sec. Voilà, bah écoutez, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à nous suivre sur YouTube et Facebook. D'autres armes vont arriver prochainement. On espère donc continuer à travailler avec Sunrock qui nous a prêté ce Chris Vector. Et d'autres vidéos viendront aussi avec Tactipol qui travaille souvent avec nous. Merci bien!